Pierre Listia, conseiller régional d'Île-de-France, ancien conseiller de Paris en direct avec nous. Quel est votre commentaire quand vous avez vu ces images ? Bah, Bonjour. Elles sont effrayantes. Je les découvre en même temps que vous les diffusez. Elles sont effrayantes. En fait, c'est la démonstration, c'est l'illustration que Paris aujourd'hui est une ville infestée. C'est une ville infestée par les rats. Il y a à peu près une population estimée de rats à 6 millions et il y a 2 millions de Parisiens. Donc, vous voyez, faites un peu le ratio. Et aujourd'hui, le grand drame, c'est que quand les rats sont en souterrain, quand ils sont dans les égouts, ça pose pas trop de difficultés, pourvu qu'ils soient pas trop nombreux. Mais là, le problème de Paris, depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats arrivent en surface et de façon massive. Et ça devient un problème. Parce que, bah, en fait, les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Et puis c'est un indicateur aussi effrayant du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris. C'est-à-dire que quand vous avez autant de rats en surface dans une ville comme Paris, ça donne une indication justement de l'état d'insalubrité de la ville en surface.